Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi 20 janvier et je vous retrouve pour une vidéo unboxing avec vous. Alors, il s'agit d'un unboxing avec la boutique Isodai que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps. C'était le 14 janvier. J'ai eu droit à deux partenariats puisque on a gagné un petit peu de temps et ils m'ont proposé de choisir en fait décembre et janvier. Donc hier, vous avez eu celui de décembre. Le 14, vous avez eu celui de décembre. Et là, on va découvrir les 4 toiles que j'ai choisies sur le partenariat donc, du mois de janvier. Voilà, j'ai eu droit à un budget de 20$, 20-25$. Voilà. Sur Isodai, c'est un site avec lequel je suis en partenariat, ça fait déjà un moment, depuis octobre. Et il y a beaucoup de diamond painting, la livraison est gratuite. Il y a du point de croix, il y a des accessoires, enfin il y a vraiment plein de choses sympas. Les prix sont très abordables, je n'ai pas de code promo à vous proposer. En tout cas, il y a plein de nouveautés. Vous allez, le site est très très bien fait, la boutique est au top puisque vous pouvez choisir soit les diamants ronds, soit les diamants carrés et avoir les toiles qui correspondent aux diamants que vous faites. Soit vous avez différentes rubriques avec, par exemple, si vous aimez comme moi les poupées aux gros yeux, vous avez une rubrique poupées aux gros yeux et vous avez toutes les poupées. Les gorgeous, vous avez toutes les gorgeous. C'est vraiment classé par catégorie. Les trolls, vous avez les trolls. Les fées, vous avez les fées. Donc ça, vraiment, j'apprécie beaucoup parce qu'on n'y passe pas des heures. En tout cas, moi, je vous mettrai le lien de la boutique directe pour y aller rapidement. Et je vous mettrai le lien des 4 articles. Donc, c'est 4 diamond painting, je crois, que j'ai à vous proposer. Comme ça, vous avez directement les liens pour passer commande. Je vous mets sur mes mains et on voit ce que j'ai choisi. Hop! Alors, c'est parti. Donc, livraison, je vais vous dire une quinzaine de jours. On reçoit ça, voilà, dans un sachet comme d'habitude. Hein. Et donc, désolé, dans le bruit. Il y a 4 dépêches. Il me semble que c'est des poupées chance. Enfin, chance, je veux dire, elles avaient des trèfles, il y en avait qui étaient couleur verte. Il me semble que c'est ça. Hein. Après, je ne suis plus sûre, mais il me semble que j'ai, comme j'en avais ouvert une, pour voir de qui était le partenariat, il me semble que c'était comme ça. Alors, on va voir. Voilà. Vous voyez, la première que je prends, c'est celle que je pensais. Alors, il suffit juste voilà, d'aplatir un peu pour chasser l'air sous le papier transparent. Et c'est tout bon. Regardez comme elles sont jolies. Alors, c'était les nouveautés du mois de janvier. Elles sont trop trop belles. Elle est en 30-40. Elle a 24 couleurs. Elle est en diamant rond. Et on va voir que tout est en sachet zippé. Regardez. Voilà, il y a toute une collection. Je ne sais pas si j'ai pris la collection complète. Des fois, il y en a qui me plaisent plus que d'autres, donc je ne prends pas forcément les collections entières. Mais en tout cas, regardez comme elle est jolie. Avec ses trèfles, tout dans les tons verts, elle est vraiment belle. Donc, vous voyez que les symboles sont très très bien faits. On a les références en haut à gauche, ici. Je vais vous remonter un peu. Voilà. Donc ici, on a les numéros de 1 à 24. On a les références qui sont les symboles qui sont sur la toile. Et ça, ce sont les numéros DMC qui correspondent à chaque sachet de diamants. On a sa petite photo ici. Là, je vous montre en même temps les symboles. Très net. Le beau trèfle. Je vais vous la faire défiler pour vraiment que vous la voyez bien. Il y a des reflets là. Et là, on a encore les mêmes références. Voilà. Alors, on a le petit kit basique avec le récipient, le stylet et le petit point de colle. Et tout est en sachet zippé. Alors, je ne peux pas vous garantir que les toiles que vous choisirez viendront en sachet zippé. Hein.
Des fois, ça change. Vous avez vu que moi, l'autre fois, j'en avais en sachet Zippé, j'en avais en sachet Ribambelle. On ne sait pas à l'avance. En tout cas, on apprécie quand c'est en sachet Zippé. Je ne sais pas vous, mais moi, j'apprécie. Enfin, maintenant, comme je mets tout dans les piluliers, que ce soit en sachet Zippé ou pas, en tout cas, c'est des sachets Costco qu'on peut récupérer. Moi, je les garde. Si je mets dans des valises ou dans des piluliers, je les garde et je les réutilise plus tard. Voilà les jolies couleurs, donc évidemment très foncées et très vertes pour le coup. Donc voici pour la première petite fille de la chance, j'ai envie de vous dire. Alors, on va décider. Bon, écoutez, on la remettra tout à l'heure. Je n'ai pas tout abîmé. Je n'ai pas pu la. C'est pas la peine d'insister. La seconde toile. Donc, c'est celle que j'avais ouverte pour ouvrir, pour voir de qui s'agissait. Vous voyez, là, ce sont des sachets en ribambelle. J'ai trouvé cette toile magnifique en couleur or et bleu. Regardez ce fond. Je vais vous la mettre comme ça. Mais regardez ce fond comme c'est beau. Alors, la toile est pailletée. Et on a des jolies fleurs. Ça fait vraiment une peinture, on dirait une aquarelle, quoi. Doré et dans les tons bleus. J'adore, franchement. Elle a 22 couleurs. On est évidemment dans du diamant rond. Donc, on va regarder les couleurs. On a la photo juste là. On a les références, donc de 1 à 22. Les symboles sur la toile et les numéros DMC. On a la même ici. Voilà, les symboles sont très bien faits. Franchement, très jolie toile. J'ai beaucoup apprécié ces couleurs. Elle rendait bien en photo sur le site, donc je pense qu'elle va quand même bien rendre. On a le petit kit habituel et côté diamant. Donc les diamants ronds sont en sachet en ribambelle, comme je vous ai dit. On a tous des dorés, des marrons, des cuivrés. Et plein de tons de gris et de bleu. Voilà. Il y a un peu de vert, je ne sais pas où. Ah, un petit peu. Voilà, par-ci, par-là. Autrement, c'est toutes des couleurs bleues et couleurs à peu près or. Très, très joli. On voit très bien. On est vraiment dans le bleu, dans le marron, dans le beige. Je pense qu'elle va être magnifique, cette toile. Ça, c'était la deuxième. Hop, celle-là, elle va rentrer facile. Ça dépend, des fois, il saucissonne les toiles et on a bien du mal. Celle-là, le papier est large. Alors, on continue avec une troisième toile. Voyez, les toiles sont toujours bien emballées, que ce soit chez n'importe quel partenariat. J'ai besoin de voir. Voici la deuxième de la collection. Pareil, sachet zippé. Alors, ça brille et on n'y peut rien. Voilà, regardez comme elle est belle. Pareil, elle a son petit trèfle à la main sur le chapeau. Elles sont trop mignonnes. J'aime beaucoup ces dames, ces demoiselles. C'est vrai qu'ils en font des très très belles. Voilà, toujours dans le vert, une 30-40. Les symboles sont nickel. Ouais, les symboles, ils sont bien faits. On les voit, on dirait que c'est zoomé. On a les références donc avec les 26 couleurs. Donc, je ne vous cache pas qu'on est beaucoup dans le vert. Et après, c'est des couleurs peau pour le visage, les mains. Les jambes, oui, on voit quand même ses jambes. Voilà le deuxième, on a la petite photo, vraiment très très belle.
On a le petit kit ici et on a, je vous ai dit, les diamants ronds dans des sachets zippés avec du verre et du verre. Non, pas que je fais. Pas mal de dégradés de différents tons de verre. Le plus, les sachets zippés. Vous voyez, ça dépend des collections. Est-ce que c'est les nouveautés qui sont en sachet zippé? Est-ce que c'est... Je peux pas vous dire. Et la quatrième et dernière toile. Alors, c'est celle-ci qui était... Celle-ci me collait au scotch. Est-ce que je vais y arriver comme ça, sans outils? Oui. Voilà. Eh bien, vous dire que c'est bien collé, hein, tout ça. Alors, ah, celle-ci m'a beaucoup plu aussi. On est dans le vert. C'est la... Je ne sais pas s'il y en avait plus que trois. En tout cas, waouh, elle pète aussi celle-là. Elle est très belle. On a les chiffres pour cette nouvelle année 2022. Regardez comme elle est jolie. Alors, je vous montre déjà la photo. Les préférences des diamants avec les 23 couleurs. On est encore une fois de plus dans le vert. Bon, il y a quand même pas mal de bleu aussi. Les symboles sont très bien faits. Et vraiment, elle est vraiment très très jolie. Alors, je voudrais enlever ses reflets et vous la montrer comme ça. On voit bien le visage, on voit bien les chiffres de l'année avec les petits cols oreillers, les petites le petit trèfle, le petit trèfle dans les cheveux. Elle a un beau visage, très très belle, une petite blondinette presque. Franchement, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Un peu, il faut vraiment voir la miniature. Elle est, on a de l'eau là. Elle est un peu, voilà. Là, vous voyez quand je la recule, comme on voit, là on se dit, on voit pas grand-chose. Mais quand on voit, on arrive à bien voir ce que c'est le motif. Elle est un peu sur une balancelle. Hein. On voit le 2022, on voit l'herbe, les roseaux et l'eau. Très très jolie toile. Waouh, elle est vraiment belle celle-ci aussi. Donc, on a le petit kit, pareil, et on a pour la collection, sachet zippé. Voilà. Diamant tout de vert vêtu, du noir, du gris, on a quand même un peu de bleu. Encore du gris ici, et là on ne les voit pas. Mais... Il a 23 couleurs, les diamants ronds. C'est tout des 30-40. Toutes les toiles que je vous ai présentées sont en format portrait 30-40. Très très jolie nouveauté, franchement. Ouais, là elles sont vraiment belles. Alors voici les quatre toiles que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle collection vous aura plu. Franchement, moi j'ai craqué, hein. J'adore ces petites poupettes. Voilà, je vous mets le lien de la boutique. Sous la vidéo, la boutique Isedai, et je vous mets également le lien des quatre articles, donc les trois belles poupées vertes et la jolie fleur couleur bleu et or. Et voilà, sachez qu'il y a également du point de croix et tout ce qui est accessoires et bricolage pour le DP. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!